temps, on va mettre les maillots maintenant. D'accord. Donc, un Vom, deux Gaben, trois Ryan, quatre Clem, cinq Gonzo, capitaine, six Yanis, huit c'est ST. Hein? Donc en fait, on n'a pas tant de choses à envier aux adversaires qu'on rencontre aujourd'hui, hier ou demain. On n'a rien à envier aux adversaires, encore moins aujourd'hui, même si on joue une très très belle équipe. Mais on n'a rien envie. Je reviens un peu parce que je pense que vous, c'est comme ça que vous ne cernez pas bien les choses. Quand c'est Vendetta, je vous ai dit je veux gagner le match, c'était pas la priorité absolue. Il ne faut pas oublier, je pense que c'est ça que vous avez confondu. Vouloir gagner un match, vouloir avoir la dalle de gagner un match, c'est pas faire n'importe quoi. C'est pas faire n'importe quoi. Vouloir gagner un match, c'est respecter ses bases et mettre du contenu. D'accord ? Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est pas de gagner le match. Ça est le contenu, hein, qu'on est capable de répéter ce qu'on a fait la semaine dernière, mais en mieux, en gagnant le match, en mettant un but de plus que l'adversaire. Est-ce qu'on est capable? Je pense que oui, mais d'abord, contenu. Hein. Défensivement, on s'arrache sur les ballons, on les récupère, on bouge comme on l'a vu, on le reverra un peu si vous voulez avant de rentrer sur le match, mais comment on défend, comment on se place, hein. Donc ça, on a beaucoup progressé, ça a été de mieux en mieux aux entraînements, on se déplace au bon moment, dans sa zone, on cadre le porteur de balle, et le reste, on ferme les lignes de passe. Il faut que cette progression, on la garde, parce que si on fait ça un match, c'est très bien. Mais le plus important, c'est de continuer à le faire. Donc essayez de vous trouver. Je vais faire un gros mal. Et dès qu'on va gagner la bataille au milieu de terrain dans les duels, après le match est quasiment gagné pour toute l'équipe. Les duels, toutes les équipes qui gagnent, par exemple, si vous trois, vous perdez vos duels au milieu, après le reste de l'équipe, jamais ils gagnent. Donc on est à gauche. On arrive encore une fois, hein, petit à petit, on continue à progresser, je vous l'ai déjà dit, mais à avancer dans ce championnat territoire, un de plus, encore un. C'est-à-dire que les matchs, petit à petit, c'est cool. Moi, je parle surtout aussi pour les secondes années. Vos matchs à U17, ben, c'est bientôt la fin, d'accord? Donc peut-être qu'il faut progresser, hein, peut-être qu'il faut continuer à peut-être profiter encore plus qu'avant. Pareil, les premières années, je sais que cette année, vous aimez beaucoup les deuxièmes années, vous entendez bien, il y a une belle cohésion, vous êtes quasiment tous des potes maintenant, et en fait, ça me fait vraiment plaisir. Donc, pareil, on avance, il y en a un de moins, cher samedi, il y a un match de moins, d'accord? Et en fait, arrivé en juin, ça sera fini, les gars, hein, ça sera fini. Et en fait, cette belle année que vous êtes fait chier à monter en territoire, eh ben, le plaisir, il est là, les gars. Il n'est pas demain, il n'est pas avant-hier, il est maintenant, il n'est pas dans ces matchs-là. Profitez maintenant, n'ayez pas de regrets parce qu'en juin, eh bien, peut-être que l'année d'après on sera plus en territoire et surtout on sera plus ensemble. Hein. Donc je veux vraiment vous kiffer parce que c'est ça le plus important et vous devez vous en rendre compte maintenant. Vous êtes en train de créer un groupe magnifique. Tous les ans on dit ouais, ben, en fait cette année c'est la plus belle. Mais sûrement que cette année c'est encore une des plus belles saisons qu'on est en train de vivre, mais en tout cas que moi je suis en train de vivre. Je prends énormément de plaisir. Prenez du plaisir avec ce match-là en mettant du contenu. Le score, les gars, ça sera du plus, du bonus à la fin. Si vous mettez du contenu, les gars, on va s'en souvenir. On sera content, on sera fier de ses potes, de ses coéquipiers, hein, défensivement, au milieu et devant. Faites-vous plaisir, soyez efficaces et faites un gros match, les gars. Ok, allez, 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 allez. Quand le ballon il a l'opposé, on est deux attaquants.
Gabin continue sur la zone. Des latéraux, là tu sais, ils sont que 3 derrière, donc en fait, même quand je vais presser, non, tu presses pas, juste tu dois coulisser, tu dois juste coulisser pour les empêcher d'avancer. Faut que je couvre le 6. Non, à chaque fois, presque, oui, ouais, mais presque, mais oui, presque, si c'est ça, vite, vite, oui, ouais, de presque, c'est ça, c'est exact. Vite. Mais le problème, c'est que. Allez, on garde un seul porteur. On s'y remet, on est bien là, les allez, allez, on est mieux, les gars. Vas-y, non, ça passe! À toi! Ouais, Gonzo! Reste, recule! Mais dès que t'as fait ce qu'il fallait, mais tu plantes, tu fais le bon appel et tout. On a besoin de toi. Tu fasses encore un gros match aujourd'hui. Allez, vas-y, repasse. Gagne-le! Bien joué! Dedans! Allez, allez! C'est bien, Tilion! Putain, tu veux ça? Gagné! Eh, gamin! Pas de mal, Loris, pas de mal! Attends, Loris, gagne-le! Milieu profondeur. C'était ça. Allez, Lolo! Il est mort!
Il est bon. Vas-y. On revient à Lorenzo Bodiek. Tu devais marrer de là-bas. Il a dit, il a un an, je crois que tu l'as dit. Putain, tu peux lui taper, tu vas l'écouter, tu vas l'écouter. Bien, Clem. Allez. Bien vu. Encore, Loris, encore. C'est bon, reste. Gonzo, c'est très bien. Très bien. Très bien. On presse. Voilà, très bien les verts, très bien les gars. Avance, gêne. Non, n'avance pas Lorenzo. Bravo. Bien joué les gars. Lorenzo, écoute-moi, qu'à moi, n'avance pas. Faut que tu sois plus bas. Gilles, tu peux pas faire une passe à mourir. Bien, moi, encore. Sans faute. Bravo, les verts. Fais la diff. Bonjour. Loris, reviens. T'en poste. Bien, Benjamin. Loris, à toi. Bien joué. C'est bien, bien battu les gars. Lorenzo, sale-le. Jules, avec Amoury, regarde même pas, c'est long. Sale-le, Lolo, sale-le, avance. Arnaud, quand tu veux. Très bien. Bravo, Lorenzo, bravo. C'est ça. Magnifique, Gabin! Gagne le Tilio, touche-le! Ah putain, si ça passe! C'est bien! Tim, on revient! Gabin, ta zone! Faut le gagner! Bien, Tilio! Encore! C'est pas bon, là, 6 et 7 là, putain! Ah, ça va! Plus bas, Lorenzo, plus bas! Lorenzo, plus bas! Plus bas! T'es trop haut! Jet. Reste sur ton gars, Loris. Voilà, c'est ça. Mets-le. Il est bon. Il est bon, Lolo. Benjamin. Non. C'est bien, Loris. Bien joué. Vas-y. Encore. Bien. Replacé. Gabriel Lax. Loris, reviens. Fais l'effort. Plus vite. Allez, vert. Super. Loris. Je fais le reportage. Ah, on fait une bonne mi-temps. Mon osgood, il a fait une bonne mi-temps en vrai. Ouais, bonne mi-temps. Tu joues. T'avais peur, non? Mais la On fait 10-15 premières minutes chaotiques, ouais, désastreuses. C'est-à-dire qu'on est loin, d'aller duel, on est à un peu à la traîne, au milieu. Tilio, je te l'ai répété, moi, on gagne pas un ballon, mais. Mais c'est bien parce qu'en fait, là où on voit que vous progressez, c'est que vous êtes adapté. Enfin, à la fin, on a essayé de réfléchir un peu tactiquement, comment on peut faire, comment on est grand et surtout qu'on est censé être bon. Et bien, on a réussi à s'adapter. Regarde les gars, même tous les ballons, non, parce que le 6 et le 7, c'est les meilleurs de leur équipe. Mais vous avez gagné un nombre de duels énorme. Et en fait, ça fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Pourquoi vous avez pu jouer au foot après? Parce qu'on a gagné, on a mis le pied sur le ballon. Parce qu'on a enfin pu jouer au ballon. C'est même pas un duel qu'on court après le ballon tout le match. Eh ben oui, on peut pas jouer au foot. Ouais. 30 minutes, très bonne les gars. Très très bonne. Et c'est ça qu'il faut empêcher. Montrer que vous êtes meilleur qu'eux. Hein. Montrer en fait, je vous dis, le 6 est bon, le 7 est bon en face, le 11 est bon, le machin est bon. Mais nous on est quoi?
Et nous, on est bon. On a chié, les gars. Ouais. On a chié, les gars. Oh, les 10 premières minutes, je me suis dit le match va être compliqué. Et en fait, vous nous avez montré que vous avez une putain de dalle, les gars. Vous nous montrez que vous avez un putain de niveau. Hein. Moi, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est votre progression. Est-ce qu'on est capable de faire plus, hein? Mais plus, c'est pas se donner encore plus. C'est se donner plus dans le jeu. Est-ce que je peux donner plus? Est-ce que je peux servir encore plus à l'équipe, hein? Soyez posé, soyez intelligent, soyez. Je vous l'ai dit depuis le début de la saison, je vous l'ai dit, mon but c'est de développer votre QI football. C'est peut-être plus que le physique, plus que la mentalité de soi, c'est le QI football. Comment vous pensez le foot, comment vous réfléchissez pour le foot, hein. Là vous me montrez que vous savez jouer au foot. Hein. Un coup de pied arrêté, les gars, peut changer le cours du match. D'accord? Que ce soit pour eux ou pour nous. Hey, Lorenzo, ne prends pas le ballon, n'y va pas. C'est très long. Encore. Mets-le. Il est bon. Passe devant. Bien, bien joué. Bravo, Loris. Davy. Très bien. Dedans. Encore. Bien gagné. Allez, vers un portable. Allez, vers, allez encore. On lâche pas les verts, on s'y remet. Encore. Bien joué, Ryan. Magnifique! Reviens, Ryan, reviens! C'est pas grave, tu viens, allez! Allez, Massimo! Bien joué! Bravo, les mecs! Bravo! Mais non! Les mecs, on se remobilise, on fait plus! Plus! Acceptez pas! Axel! On y va. Allez Ryan, allez. Vers, allez. Pas de regret, les gars. On donne tout, pas de regret. Mm.
Ouais,
Allez, allez, applique toi, applique toi. Allez, file. Devant, devant. Vas-y. Allez, on y va. On y va. Bravo, merci les gars. Bravo. Allez, merci les gars. Tenue, ça a été bien. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été à un gros, énorme niveau. Moi, je suis content de le dire, hein, à Loris. Loris, semaine dernière, je lui dis c'est ton meilleur match. Et aujourd'hui, je peux le dire, c'est son nouveau meilleur match. Hein. Mais parce qu'on a la dalle, les gars, on a envie de faire pour l'équipe, on a envie. Hein. Et nous, les coachs, vous faites un gros match. Un gros match. Deuxième mi-temps, le nombre d'actions qu'on fait est magnifique. Magnifique. Hein. Tim, je t'ai pas mal gueulé dessus en deuxième mi-temps. Mais par contre, les 7 ballons que tu m'as pris d'un côté, que tu es venu, que tu m'as chargé de côté, mais c'est la perfection. Et c'est la perfection, les gars. La perfection. Et quand en plus, on a une offensive comme Loris qui vient nous chercher les ballons, qui est juste, qui est percutant. Mais les mecs, ça fait la différence. Ça fait la différence. Évidemment, le citation, parce qu'en fait, tout le match, on a essayé de se mettre au niveau, on a cherché à faire plus, on a tout donné, et surtout qu'on y a cru jusqu'à la fin. Moi, j'y ai cru jusqu'à la fin, on a fait monter Clément, machin, tout le monde. Oh, j'ai cru qu'on allait en mettre 14 à la fin. 14. Parce que vous étiez tous ensemble, sans parler. Hein. Oui, on était dégoûté d'avoir pris un but sur corner. Gondel était dégoûté le premier, mais par contre, il y avait un ballon dans sa zone. On l'a récupéré. On a tous espéré jusqu'à la fin. J'ai les poules, oui, de ne pas gagner, mais pas pour moi, pour vous. Parce qu'avec le match aujourd'hui, vous méritez d'avoir une victoire encore une fois. Vous le méritez, les gars. On prend les coups de carité, ils sont bien tirés. Le troisième but qu'on prend là, sur le corner, mais il est bien tiré, les mecs. Hein. Il est bien tiré, il faut qu'on fasse mieux. C'est dur à entendre pour vous, mais moi je tiens encore à vous féliciter. Soyez fiers de votre match. Pareil, Vandar, c'est pour moi une des meilleures équipes qu'il y a dans ce championnat territoire. Hein. Je ne voulais pas trop dire en début de match parce que je ne voulais pas que vous mettez de pression, etc. Vandar, c'est une des meilleures équipes, les gars, du championnat. Vous allez le voir, les résultats qu'ils vont mettre. Vous le verrez, les gars. Vous verrez les résultats qu'ils vont mettre. Mais félicitations pour votre intelligence de jeu. On a voulu jouer. Quand on a voulu jouer, on n'a pas perdu tant de ballons que ça. Et pourtant, on a pris quelques risques. Et tout le monde nous a porté. Mais on va chercher encore plus, les gars. Hein, on doit avoir soif de progresser. Soif de progresser. Soit de voir si au prochain match on va encore le prendre sur le corner. Tant mieux les gars, je suis trop content. J'ai envie qu'on en prenne, qu'il y ait 50 corners prochain match, que les 50, on s'arrache, on les sort tous. Tous. On va continuer à jouer au ballon avec la confiance et on va les gagner à un moment. Ne vous inquiétez pas, le temps nous donnera raison. Comme ça nous a donné raison les années d'avant. Avant ça nous a donné raison. Hein. Je vous ai dit, on va progresser, vous verrez, vous verrez, vous verrez. Et en fait, ça nous a donné raison. Donc, patience, patience les gars. Félicitations, allez, rentrez bien. Moi, on m'a dit, à ton 12, j'aurais dû mettre le carton, ils se sont insultés. Wouhou!